Celui qui se conduit vraiment en chef ne prend pas part à l'action. Le sage peut découvrir le monde sans franchir sa porte. Il voit sans regarder, accomplit sans agir. Celui qui excelle à employer les hommes se met au-dessous d'eux. Plus le sage donne aux autres, plus il possède. Savoir se contenter de ce que l'on a, c'est être riche. Quand la crainte ne veille pas, il arrive ce qui était à craindre. Imposer sa volonté aux autres, c'est force. Se l'imposer à soi-même, c'est force supérieure. Les hommes sont différents dans la vie, semblables dans la mort. Rendre le bien pour le bien et le bien pour le mal, c'est la bonté efficace. Le sage, sans jamais faire de grandes actions, accomplit de grandes choses. Sans franchir la porte, on peut connaître le monde. Plus on va loin, moins on apprend. Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Le sage enseigne par ses actes, non par ses paroles. L'être qu'on peut nommer n'est pas l'être suprême. Trop loin à l'est, c'est l'ouest. Celui qui excelle ne discute pas, il maîtrise sa science et se tait. Parole parée n'est pas sincère. Connaître les autres, c'est sagesse. Se connaître soi-même, c'est sagesse supérieure. Gouverne le mieux qui gouverne le moins. Créer, non posséder, œuvrer, non retenir, accroître, non dominer. C'est la conscience humaine du beau qui différencie le beau du laid. Renoncez à l'étude et vous n'aurez aucun souci. Le bonheur naît du malheur, le malheur est caché au sein du bonheur. Le plus grand arbre est né d'une graine menue. Quand le ciel veut sauver un homme, il lui donne l'affection pour le protéger. La vertu, immuable, ne quitte pas l'homme avec la mort, elle retourne au nourrisson. L'expérience n'est une lumière qui n'éclaire que soi-même. Mieux vaut allumer une bougie que maudire les ténèbres. Dureté et rigidité sont compagnons de la mort. Fragilité et souplesse sont compagnons de la vie. Une terrasse de 9 étages commence par un tas de terre. Qui domine les autres est fort. Qui se domine est puissant. Le sage ne rencontre pas de difficultés. Car il vit dans la conscience des difficultés. Et donc n'en souffre pas. Quand les gros sont maigres, il y a longtemps que les maigres sont morts. Un voyage de 1000 lieues commence toujours par un premier pas. Si quelqu'un t'a offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au bord de la rivière et bientôt tu verras passer son cadavre. La plus grande révélation est le silence. La meilleure façon de combattre le mal est un progrès résolu dans le bien. Quand le débutant est conscient de ses besoins, il finit par être plus intelligent que le sage distrait. Arrêter le mal avant qu'il n'existe, calmer le désordre avant qu'il n'éclate. Paix le mal avec la justice et la bonté avec la bonté. Les paroles sincères ne sont pas élégantes, les paroles élégantes ne sont pas sincères. L'homme maître de soi n'aura point d'autre maître.